Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile. Il n'y a pas mieux. Je vous retrouve pour un nouveau numéro Pona Congo, amis téléspectateurs de Congo Buzz Télévision, compatriotes, nions congolais éparpillés à travers le monde. Mbote pe boye bola moto s'est manqué pendant combien, une semaine, on est ensemble ce matin. Maman Makambo et Salami Mingi pendant une semaine au Makambo et Sali vraiment ébélé à Kolobela. Actualité ça vraiment ébélé Makasi, notamment situation topé dossier. Il y a forage au Ezali Bongo na Mesa au Kolobela Bongo Moko na lelo forage na $297,000 pe lampadaire na $5,000 et Sengeli ko yeba que Salawana, mon solo ya l'état et bimaki kasi bongo sima ya mon solo yango ko bima mosale salemi lolenge et longo banite selon ben information na biso kaka 27 forages ezala ki bongo livré na population alors que le ministère ya finance et bongo ko zonga pona koloba ke ezali bongo te mosale salemi il faut encore nous prouver que mosale salema ki pe ko pesa biso localisation. Il y a Monsala et Salemi topé, il y a Baforage et Salemi à travers la République. Pourquoi incriminer Nicolas Kazadi ou Azaline Kaka ministre et finance alors que Monsoloan et Bimaki pour Monsala, il y a ministère et développement rural. Pourquoi c'est Nicolas Kazadi qui est cité? Nous allons en parler au cours de cette émission et Torozon il y a la liste sous situation et Zali bon on a gouvernement. Pourquoi gouvernement et Bimina noté qui nous l'élo Tata Mokambeko la prêta à Serma le 20 janvier 2024, le Loto Zabongo le 22 avril 2024, 3 mois jour pour jour, Tozo Kené, donc on a 100 jours, Nano Bastitution et Vandité, Ponani Nito Ebité, Moussa les Aliko Salematote, alors que population les Aliko souffrir, Tata Mokambiekolo, à la Kakibuso Kenyon, ce cause à la urgente, Bongo Koko Kisabongo, si engagements on a eu, est-ce que 100 jours et l'équipe, les apertes pour la Mboka Congo, nous en parlons. Au cours de cette émission, deux invités, Nangambo Nanga Loboko, moi, Sipe Amobali, Mayambo Erokende, Monsika, sur la question, et Sengeli, Koyebak, Ndeko, Yalisanga Politique, Alliance pour le Changement, Parti Cher Yandeko, Jean-Marc Kabundo, Bango Bazali, qui a invité, membre, y a Parti Nabango, Wapi Bisika, na siège Nabango, Mokolo, y a mercredi 24 avril 2024, plutôt pour na o etali matinée politique monene o ekosa le makuna na ngambo na bango na occasion ya deuxième anniversaire ya parti na bango. Il faut dire que outa ndeko Jean-Marc Kabunda jomi na prison bango bazali kokoba ko evre po na parti na bango pe kosa la bon mosala po na mboka Congo to lobela Congo na tongo lelo na ndeko Joel Kitenge na loboko nanga ya moi si ndeko ndoboko nanga mobile plutôt ndeko Joel Kitenge maître Joel Kitenge o et sali moi mikolo bele Outa zwa kili kama to kutani te mwana mboka mbote pebo ebola mboni sante mbote mama naomi mbote na ndeko Alain Focas merci na bakongoma nyoso balanda kabiso mingi sante ça va, Dieu nous fait grâce depuis ah ouais mais c'est comme ça que ça fonctionne le monde, ceux qui vous apprécient, ceux qui ne vous apprécient pas, ceux qui sont d'accord avec Okusala
na basuso ba ko luka mbona ko joya ko mbona na osala et ça fonctionne comme ça c'est. Vous avez été enlevé à service à sécurité na batomité ma matin. Je ne dis pas service à sécurité puisque je n'ai jamais vu pour mutoise à la service il faut l'identifier. Au moins, là-bas, je n'ai pas de carte, toi, comme mon bureau, il y a lié à l'État. Ça veut dire qu'il y a un agent, mais il y a un bureau. Mais dans mon cas, ça n'a pas été au bureau. On m'amène, on me conduira, puisque j'étais déjà en perte de connaissance. Je m'étais réveillé le jour suivant, puisque c'était un mercredi. Et le jeudi, c'était un chantier. Un chantier dont je ne me retrouvais pas. De plusieurs niveaux et dans le cadre de ce chantier que je me trouvais. J'ai dû passer 3 jours là-bas, sans boire, ni manger, ni faire quoi. Maintenant, c'est l'intervention menée à service de sécurité qui m'a permis à s'en sortir. Comment ils ont fait pour vous retrouver? Puisqu'ils commençaient à demander une rançon, et à partir de la rançon, on a utilisé l'intelligence appropriée. Pour très ne pas bien. Donner beaucoup de détails. Puisque les gens n'ont pas vu de Tambola qui dans les réseaux sociaux, il fallait avoir quand même des détails. Ouais, mais je vous dis, je profite de ces caméras pour nous dire que merci. Il y a eu des journalistes, des acteurs politiques, des communicateurs, même des gens qui vous n'avez pas l'habitude de vous courtoyer. Je puis suivre par la suite des messages, l'appel, la mobilisation, en tout cas de tout cœur et sincèrement, merci. Merci beaucoup Ndeko Joël Kitenge na lobo konanga mwasi mona mboka Alain Foucault c'est pour la première fois de recevoir Yona pona Congo mbote pe bwe bola mbote madame Naomi komona mwasi Foucault kina na zana esengo ya koya lelo na émission na bino parce que biso to ya kaso ki po bengisi biso et puis na pesi mbote pa Ndeko nanga Joël na pesi équipe technique mbote pe balandi ya direct et puis na ba réseaux sociaux na sepeli parce que tukoloba mai matali Congo. Merci. Le Congo avant tout. Toza on dirait que bonté na Congo Buzz Télévision sur TNT na ba plateforme na biso nyon sur digital prochainement tropé sabino bande ko ya YouTube hein et ça juste quelques heures après me bande ko ya Facebook toza ensemble pouvez partager comme d'habitude maman nabino a zongi na ebi ki osa ki entre le bon main mais toza ensemble pour na Congo ya Mokona lelo ndeko Joël Kitenge pourquoi installation ba institution za ko wumela na kati ya mboka oyo nyonso eza urgent pourquoi tozui 3 mois presque 100 jours pour na ko installer ba institution qu'est-ce qui bloque? Bon d'abord merci, je ne dirai pas blocage eza mode ya mibe ko na biso ndenge to kela to tia yango. Comme ça, c'est ça que ce qu'on appelle l'élastique qui est un problème. Puisque, au-delà, d'abord, la considération, que ce qui m'a pour n'amélé qui, parti de mon côté jusqu'à 1960, majorité absolue presque partout, ça faciliterait la tâche, puisqu'ils auront les députés d'un seul camp ou du reste. Nous nous retrouvons. Dans la plupart, après la séance élective, les députés ont créé ce que nous appelons Kizobazoba. Donc, il y a une majorité composite, un rassemblement de 3 ou 1 ou 2, 3, 4, tout ça. Et la procédure voudrait qu'à cet effet, un formateur azal. Pour une durée, il y a 30 jours renouvelables une fois. Donc, le formateur lui-même peut travailler. 60 jours. Déjà, il n'est même pas formateur. Et le formateur a aussi la même durée. Puis, le Premier ministre. Heureusement d'ailleurs que le président de la République a brisé cette étape et a formateur pour passer directement à Premier ministre. Mais on le sent dans cette période, on travaille dans ma consultation, qu'elle travaille plus dans le rôle comme formateur et à gouvernement. Puisque ce n'est pas qu'elle commençait à identifier la majorité, mais elle est consultée en vue de former, tout en étant Premier ministre, mais agir dans son genre. Donc, il y a Liboso pour en aller le quoi, motonamibeko, puisque ça, c'est dans ce contexte-là que je mets mon point de vue comme juriste. Il faudra tout écourter, durer Wana, en retouchant sensiblement la procédure qu'il y a. Ça veut dire Mibeko. Du conseil et les règlements. Aspect Moussous Sonazo Kouta, j'en ai déjà émis une opinion là-dessus et je reviens encore aujourd'hui.
souvent chaque législature ce qui est coté il faut pas élaborer règlement intérieur yasika. Quand je lis le règlement intérieur adopté à Touroy, natangue tu ko le canal législatif tu ko sila, je n'ai rien trouvé de nouveau qui vaut 5% de ce qui a été fait dans la législature passée. Que du copier-coller autobando bengabiso na kampa plagiat. Donc borabaninga vandeli angongombol wando travaux bimbi wa mayelo tika kumbokuna na suka kitenge. Mais œuvre nyoso kaka de comme sous sa salaki. À ce moment-là, est-ce que ne faut-il pas, de manière rationnelle, qu'on ait déjà un règlement intérieur qui reste, qui s'applique, mais dans lequel on peut ouvrir des fenêtres qui, s'y a lié d'apporter des amendements, mais un règlement qui peut durer même peut-être pour 3-4 législatures, ça ne poserait pas le problème. Le travail et le temps d'élaborer ces fameux règlements. Et ensuite, la Cour a aussi une durée, puisque toutes les requêtes devant les instances judiciaires, il y a ce que nous appelons délai. Ça existe. Délai, il y a au beaucoup de sa requête telle, toi, tu dis telle, et la durée au bajige, bazar, en gros, se prononcer dans le cambo tel. Toutes ces procédures sont documentées, orientées dans la loi portant procédure devant la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de l'Assemblée nationale, tout ce qui est dans le camp d'Italie, informateur. Nassali Benda, Kaboula Raza. On a dit que Gistin Kaboula Saki Moussala qui a déposé Patata Mokambi Ekolo, il y a des gens ici et des sous-sous, et bien il y a des gens qui sont formateurs. Mais tout le monde, maman, a soumis noyé, a zongé des sous-sous, consultation. Est-ce que Moussala Salamaki, non Gistin Kaboula Salamaki, bien te topé, on a une constitution, l'obit, Tata Mokambi Ekolo, qu'on nommé par rapport à un choix, tout le bon, sauf erreur de ma part, je ne dis pas connaître toutes les sciences du monde, mais en lisant la décision Oyotaki na cabinet à Mokondi, Baponaki, secrétaire général Augustin Kabuya, a identifié majorité de Babengi informateur. Identification à majorité, c'est cette identification que lui Kabuya a fait, c'est sur lequel Madame Judith s'appuie. Elle n'est pas en train d'identifier la majorité. Elle est en train maintenant de travailler sur cette majorité. Identifiée en ne racontant que le chef de file, il y a un groupe, il y a un regroupement, il y a un parti politique qui font partie de cette majorité. D'abord, laquelle majorité est d'abord l'outil volontaire du député. Tout député en entrée à législative, il faut valider le mandat, doit choisir son appartenance. Vous avez suivi le dernier communiqué, Ambosso s'adressa aux 70 députés qui ne précisent pas ce qui va appartenir à la majorité, à l'opposition, tout va cause à la non inscrit. On ne devient pas député sans préciser cet aspect des choses. Et c'est le député qui détermine. Et il s'avère que, soit, sauf erreur de ma part, 26 députés font partie de l'opposition. C'est sur ce travail-là qui a été fait. Laquelle personne peut dire que Moussa la Sengaki, Augustin Kabuya Salamite, sauf le président de la République, qui l'a commis à cette charge, et il n'y a jamais eu un communiqué de la présidente, de la présidence, remettant en cause le travail qui a été fait par Augustin Kabuya. Ça sort. Madame Judith Ouaza Kosala Lelo, ce n'est pas l'identification de la majorité. Quand elle parle, elle s'est expliquée à la presse, même ça, la dame qui travaille autour de sa cellule de communication provisoire, a été claire dans son reportage. Bazar en formation, Bino Boyeboya na baliste, na Bino Sengi, ba groupement, ba yakouti ka baliste, nous avons lu son communiqué. Pe na baliste, yango, na ba poste à pouvoir, bati à ba kombo misato. Est-ce que là nous sommes dans l'identification de la majorité? C'est des rôles différent qui n'a rien à voir avec le travail que Augustin Kabuya a fait. Très bien. Donc l'état Juana est d'abord dit na Arsenal le texte na Bisso Lego qu'il faut tout écourter en gros pour gagner plus du temps et à coquine. Ce côté période y a contentieux tant national que provincial, ça s'applique mutantis mutandis. L'état va contentieux il y a élection Salimak, dire ba cour d'appel pour na député provincial. TGI pour les municipaux, cours constitutionnels pour ainsi de suite. Et ça prend énormément de temps et nous risquons à la moyenne d'épuiser presque 12 mois. Législature passée,
pour mettre le gouvernement Ilunkamba, ça a fait 8 mois et demi. C'est du gâchis. On peut passer cette étape en réfléchissant, en créant l'économie de tests qui gouverne et qui oriente la conduite dans la question que vous avez posée. Merci et puis ça va nous profiter en allant dans les vides. Merci beaucoup Ndeko Focus Malobe Panayo Ndeko Joel Kitenga Zongeli forme topé nini mibe kolobi pona mboka na biso na mai matali bokoti ya gouvernement eza normal parce que mobeko esengi bongo motango epesami na formateur pe bongo na bongo est-ce que lelo tokoy kolobate ke il fallait to sala mo na lombango en termes de colander le contexte tout ça urgence tout ça pour que tout soit gouvernement selon yo ezali parce que mobe konde lobby topé pour batunde ba ambition et qui makasi cause à gérer mal à monter. Merci beaucoup. La première des choses nazulinga na faire constater batoba landa biso que la gestion de la République est une réalité qui obéit aux règles, aux principes, aux normes et à une doctrine. Donc c'est pour dire qu'il n'y a rien qui n'a jamais été réfléchi par les savants dans les champs politiques. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ces gens, ils sont informés des règles, des normes, des principes, de la doctrine pour que nous arrivions là? Est-ce qu'ils font avec la méthode? Et ils sont dans quelle approche? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Bon, je ne sais pas si l'émission est bilingue. Alors, donc, je me pose la question à mon frère Joël, qui est de l'IDPES, qui soutient les chefs de l'État actuel, Félix Tshisekedi, qui est encore président en exercice jusqu'à preuve du contraire, et qui a encore un cabinet, un directeur de cabinet à la présidence. Quand il est entré en 2019, il a justifié un comportement pour prendre un programme de 100 jours, pour amener ça à la présidence et manipuler la gestion de la Respublica pour des raisons de gagner le temps parce que les gouvernements en place étaient démissionnaires. Mais je me pose cette question. Est-ce que n'est-il pas le même? Pourquoi cette fois-ci, il n'a pas osé prendre ses politiques publiques pour aller avec à la présidence parce qu'il y a un directeur de cabinet qui est là et il y a une coordination qu'ils avaient établie pour gagner le temps en 2019. Pourquoi il ne l'applique pas maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de temps? Quel était le leitmotiv? Quel était le mobile? Quelle était la signification de ce qu'ils ont posé comme acte en 2019 pour ne pas les poser maintenant? Cela est justifié comment? Et moi, j'aimerais que vous puissiez donner la parole à mon frère Joël, qui est de l'IDPES, qui est juriste et qui est celui qui soutient les chefs de l'État. Qu'il peut nous expliquer, qu'il nous donne la quintessence de ces comportements qu'ils sont incapables de ramener aujourd'hui. Parce que si cela ne se justifie pas, cela veut dire que il s'est rendu compte que l'autre fois, il avait violé la Constitution et qu'il ne peut pas continuer à le faire. Et s'il avait volé la Constitution, dans ces cas-là, quelle serait la suite logique? Tu vois, c'est pourquoi je vous dis, quand on vient pour gérer la République, être un parti politique, c'est autre chose. Parce que c'est un fait privé. Vous pouvez vous comporter comme vous voulez. Dans votre parti politique, il n'y a pas de poursuite. Faites ce que vous voulez. Avec votre règlement intérieur, vos lois là-bas, votre statut, faites ce que vous voulez. Mais quand c'est la question de la République, là où il y a un contrat social, là où le souverain a déjà dit ce qu'il faut faire et qui doit le faire et comment le faire, quand il faut le faire, mais il faut respecter la norme. Ça, c'est un. De deux, je vous parle des principes. Nazolo belabino makambo ya mibeko. Mibeko nde etambu sakamboka na molongo. Soki mboka na bino, boye biko ye bananu te mibeko yango, boko tambu sa mboka lolenge nini. Il vous informe ici que c'est notre arsenal juridique qui fait qu'aujourd'hui, tous en la situation à l'étargie. Mais déjà,
élément na outil ko bimisa liboso o moni ke irocha ya en difficulté mais pourquoi tangwa liboso ba gagna ki temps en prenant les politiques publiques pour ramener ça à la présidence mais cette fois-ci ils sont capables de le faire mais si ko tangu ya lobi bongo est-ce que République démocratique du Congo et bandika ka tangu IDPS comme na pouvoir on n'a pas vu ici Kabila na 2006 à côté na gouverne à gagner l'élection gouvernement 30 jours après ou 32 jours ou 36 jours après gouvernement il est déjà en musique en 2011 vous n'aviez pas vu Kabila le même parce que Félix est successeur à lui-même tout devait être déjà planifié tout de, parce que baye ba kimibe qu'on a vu sur le lingue zali et il est anodin irresponsable de justifier que Mboka et Koki Kozwa léthargie à Boué à cause de lois, de nos lois. Non. Mais mon béco lobby, attendez, madame. Attendez, madame, c'est très dangereux. Ça, ce sont des faux fuyants. L'irresponsabilité. Parce que déjà, Mibeko Yangomoko, c'est pourquoi je vous ai parlé de la doctrine. Mibeko Yangomoko et lobby, principe sacro-saint et la gestion de la République et à l'inini. Parce qu'on gère les humains. Et les humains ont besoin d'une gestion quotidienne. C'est pourquoi on vous dit qu'il y a un principe sacro-saint alors. La continuité de la chose publique. Ezali Lokola, Mobeko, Likolo et Mibeko Misus. Et allez dans mon bel côté, gestion quotidienne parce que on gère les humains. Le pouvoir étatique, écolo, n'engezalakaboui, ekokikola la te atamokolo moko, sans que les trois pouvoirs consacrés rayonnent. Mon colonio so exécutif ezali ko biangama pona esala. Alors, ce qui basali ko sala, donc c'est-à-dire que tu as un principe de continuité de l'État. Alors, si tu as un principe de continuité de l'État, donc c'est-à-dire que les institutions marchent et la vie communautaire marche. Mais ce qui la vie communautaire ne marche pas, c'est que basali ko sala na ba institution, ils ne travaillent plus. Parce que expédier les affaires courantes signifie quoi? C'est résoudre les problèmes de la société. C'est ça, au fait, les problèmes. À l'Obinayo, Kabuya, il était nommé informateur. Oui, c'était pour identifier une majorité. Mais à la suite, quand il est allé déposer, qu'est-ce qui a suivi? Il est de l'IDPS, il connaît Kabuya, il parle avec lui. Je crois que si on peut pousser des pions à plus loin, il mange avec lui. Kabuya a communiqué que... Après avoir terminé la mission de l'informateur, le chef de l'État lui a confirmé la mission du formateur du gouvernement. Je ne sais pas, Mdeko Joël, est-ce qu'il faut Tomiko Saka Biso Mokoboye? Je ne crois pas. Eliezer a relayé ça encore. Et c'était dans les médias publics. Ceux qui ont été formateurs au gouvernement, maman soumise dans le salon de salaire. Mais c'est ça le problème, il faut lui poser clairement cette question, mais au moins qu'il y a répondre. C'est-à-dire quoi? La tâche qui a été confiée à Kabuya et à formateur, il n'a pas atteint ses objectifs. Et d'ailleurs, au monimo salawana, il y a formateur et il y a gouvernement, dans le contexte où vous allez na yango, où vous allez na, et tout le coup, il y a bato ebele, bakei na ngambo moko ou babengi majorité au pouvoir. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les normes, il y a les principes et il y a la doctrine. Parce que quand vous embrassez tout, c'est-à-dire que vous faites les trop-pleins, et quand vous faites les trop-pleins, les savants vous disent que vous serez en face d'une question de gestion des ambitions. Parce que dans les champs politiques, on ne vient pas pour accompagner, mais les acteurs posent des actes pour des intérêts. Ce n'est pas une église. Faire les tremplins est un avantage, mais faire les tremplins
a des exigences qu'il faut faire avec. Alors la doctrine vous aide. Dans les cas pareils, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des informations que je donne à ma qualité d'un politologue. Pour, après avoir identifié la coalition majoritaire, mais pour que vous puissiez lier cela avec la gestion des ambitions, techniquement, je dis bien techniquement, quand on n'est pas averti, quand on n'est pas connaisseur, quand on n'est pas technicien, on n'est pas ingénieur social, on n'est pas politologue, on ne maîtrise pas ça. La première des choses, il faut d'abord que le formateur puisse s'imprégner de la réalité, il y a formation, il y a gouvernement, en termes de taille, il y a gouvernement. Premier débat, après que l'informateur a signé ici, premier débat entre les chefs de l'État et les formateurs, c'est sur la taille du gouvernement. Dès que cela est connu, on appelle maintenant ce qu'on appelle la répartition. Nakati, il y a majorité en termes des types de coalitions qu'ils vont mener. La première des coalitions qu'il faut amener rapidement, c'est d'identifier Nakati à trop plein wana, quelle est la coalition majoritaire. La coalition majoritaire, Bamona Kango, selon l'ordre d'arrivée en termes de nombre de députés. Par exemple, IDPS. IDPS était le premier d'entre eux dans l'ordre d'arrivée en termes de nombre de députés, n'est-ce pas? Suivi, je crois, de l'UNC. L'UNC. Et puis, sauf qu'aujourd'hui, sommation, il y a IDPS, aujourd'hui INC, aujourd'hui troisième. Sauf que déjà les trois premiers, Koki Selibino déjà majorité absolue. Donc, 251 personnes, ou bien 251 députés, c'est ce qu'on appelle majorité absolue. Mais ce qui est la majorité absolue, vous n'allez pas bien gérer. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Il faut rechercher une coalition qu'on appelle la coalition quasi-majoritaire. C'est-à-dire, bon, Louki marche à manœuvre. Si vous avez déjà 251 députés dans l'obédience et la majorité absolue, bon, Louki équilibre Moko. Il y a troisième ou quatrième, selon l'ordre d'arrivée et d'importance, ça compte aussi, pour que vous sécurisez marge. Il y a nombre de députés, bon, on a 251, ou ils sont trop fragiles pour que vous, par exemple, il y a 300 députés. Là, vous êtes déjà dans la configuration d'une coalition quasi majoritaire. Bon, Tchéouana, bon, comme une troisième étape, bon, Louki Lissou, parce qu'il y a un tremplin, il y a encore du reste, il y a encore un grand foule. Bon, qu'il y a une troisième étape qu'on appelle, il faut rechercher une coalition soutien à la majorité. Bon, Louki, coalition, il y a soutien à la majorité. Cette coalition soutien à la majorité a pour but de sécuriser à tout moment, durant le quinquennat, majorité principale, c'est-à-dire que majorité absolue. Parce que à tout le temps, dans la période de vote, au moment où la majorité est coquille basculée. Mais quand vous avez une coalition soutien à la majorité, à chaque fois que basculez les olingues salema pour majorité na vote et kouya, c'est cette coalition qui vient en soutien pour que le nombre éthique à la kaka 251 tout au plus. Merci tout beaucoup. Au moins pour terminer, oui. Il faut ajouter encore une coalition au babengi, coalition aux aguets. Il y a une coalition qui doit être en attente et à cause là. C'est-à-dire que tant vous répartir positionnement politique, tant vous repayez sa bataille, il y a des partis politiques qui vont venir d'abord parce qu'il y a trois phases dans le cadre. La notion est très importante hein, parce qu'ici, ça ne fait pas débat, on n'en parle pas, on n'en connaît pas. Donnez-moi le temps de pouvoir parce que nous sommes là pour ça. Moi, je suis politologue, j'ai été à l'université, on m'a enseigné pour que je puisse contribuer dans ma nation. C'est pourquoi, pour des raisons d'intérêt, de Joël a ressoufflé moi, Mouké, parce que ça vaut la peine tout le bayango. 30 secondes. Donc, dans 30 secondes, il y a l'oubake. Ce qui va sali exercice, il y a la coalition, Oyo, à la fin, qu'est-ce qui arrive? Vous allez regarder que il y a des
des partis politiques ou bien des coalitions ou bien des regroupements politiques qui viennent pour avoir des postes ministériels. Il y en a de ceux qui viennent parce qu'ils ont des réformes. Ils ont des propositions à des réformes. Même si Bazali n'a pas poste ministériel, mais Bazali n'a pas la majorité parce que la réforme au Baolinga et le cas pour Nabango et Zali rendement production parlementaire pour Nabango. Donc Barozala n'a pas ça, même si Bazui majorité, mais au moins la réforme Nabango et que le cas pour soutenir Bino, Bozui ba poste et puis Bazo l'ingé la majorité Nabino na parlement équitaté, Bino peut soutenir Bango pour la réforme Nabino. C'est-à-dire que la gestion des ambitions, Ezali travaille et a copé ça, pas n'importe qui, na formation et gouvernement. Tu vois les grands travail, Oyo, même Nenge Joël Aoutio Loba, que quand on a décidé de donner le temps à la formateur, on a tenu compte de tout ça. Mais quand vous ne connaissez pas ça, c'est pourquoi j'ai dit Kabouya quand il a pris les relais pour Narosala Likambouya, formation, tâche formateur et gouvernement, il n'a pas tenu compte de tous ces aspects. Merci donc beaucoup, c'est pourquoi aujourd'hui, ne connaissant pas les principes, ne connaissant pas la norme, ne connaissant pas la règle, ne connaissant pas la doctrine, on ne peut pas atteindre les résultats parce que dans les champs politiques, il faut boire. Il y a toute une science qu'il faut appliquer pour guérir les malades comme le font les médecins quand il s'agit de la médecine. Nous allons prendre notre deuxième thématique. Ndekomo Kalobi, l'autre mal, c'est la personne de Kameri Bahati et Mbosso à l'Assemblée nationale là-bas. Et ça bloque aussi. Matondo Monamboka, Nangamo Assemblée nationale de Kojoel Kitenge. Pourquoi Nanou? Même calendrier, parce qu'il faut poser le bureau définitif de l'Assemblée nationale, bon, on doit investir, bon, au gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que là-bas aussi il y a blocage? Moi, je ne sais pas, j'ai dit attente souvent aux autres utiliser le mot blocage. Moi, je vous ai dit et je vous réponds, dans le fond, Namoni, Bokesedo, Tokenan de Gorangay, de Kofokaste, je n'ai pas vu dans le fond. On est tous restés dans la forme. Quand on parle de la norme ou bien principe, donc on a le bel accord d'engue à penabi, mais bien qu'on engue écouta ma etiama. J'ai donné en titre illustratif un exemple. Par exemple, durée, il y a Moussala, il y a informateur. Ou à cause ça, 30 jours, renouvelable une fois. Ça veut dire, il est mort d'abord à un travail de 2 mois, légalement. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, à Golbani, 8 ans. Et dans ces 2 mois-là, Makambeko peut continuer à tourner la roue au nom du principe, comme il a dit, à continuation. Je crois que la notion de Sazak qu'on relevait dire et penser que M. Augustin Kabouya n'avait pas la connaissance pour qu'on s'imprégnait toutes les théories des sciences pour qui ont été essayées à dégager par mon frère Alain, je crois que c'est trop prétendre. On peut ne pas être diplômé dans sciences pour. Mais quand on est confié d'une telle tâche, entouré de quelqu'un qui a ses diplômes, et il avait une équipe de travail. Nous sommes passés là quelquefois des personnes qu'on connaît, je ne préfère pas les citer, une équipe de travail de personnes expérimentées. Voire même il y avait 3 personnes qui ont déjà été tout plusieurs fois même ministres et des enseignants à l'université chevronnée, des politologues et des juristes. En tout cas, il avait toute une équipe qui travaille. Donc, à ce moment-là, il y a un conseil. Mais le résultat n'a pas suivi. C'est ce que je dis, il ne s'agit pas que celui qui doit faire doit être ex officio de telle filière, puisque la filière dont lui n'a pas été formé peut lui être complétée par un conseil, par un proche, par tout ça. C'est comme ça. Donc, c'est lui qui n'a pas appliqué. Parce que les résultats ne sont pas là. Il faut d'abord te rectifier. C'est madame qui commence à faire le travail du formateur. Nayoka Kibiloko wana. Au regard, Yami Beko, je n'ai jamais lu une décision, de la même manière dont il a été choisi comme informateur, une décision du cabinet du président de la République le nomma formateur. Ça n'a jamais été. Ça, d'abord, qu'on se le dise. Du point de vue, il y a autre lobby norme, la règle au Senge Salima. Nomme-t-on un formateur verbalement? Je me demande s'il y a encore des actes nominatifs ou de confier quelqu'un une responsabilité verbale. En titre privé, non, nous l'avons dit, tout précisant, qu'il n'a lobby, n'a sa porte-parole et à partir d'un bisou, il est pesté. Mais je suis quand même l'un
des communicateurs le plus important pour ce que toi es belé. Oyo, on oya moi qui là sinza basunga qui to legi to tangeli, je ne peux pas venir à la place publique ban koloba makambo zangi nzela. Je n'ai pas vu une décision le nommant. Au contraire, à l'obaki qui important mon konzi a zongi siye. Puisque ce qui a été fait en amont n'a pas pu permettre à Kende Kobanela. À mon sens, ça veut dire le travail imaginé terminé en première étape, le président a trouvé qu'il fallait un complément dans le même sens comme formateur, comme informateur. Juste pour amener de l'eau au moulin, parce que c'est un débat. Deco Joël, toi tu es juriste, nulle part dans notre constitution, tu verras cette terminologie du formateur. Ça n'existe pas. Mais le chef de l'État, pour prendre l'ordonnance, il doit se référer à la Constitution. Il doit se référer à la Constitution. Dès lors que la Constitution ne parle pas du formateur du gouvernement, comment lui va prendre l'ordonnance pour cela? Or, on vous dit ceci, quand vous ne lisez pas la loi, ou bien quand vous sentez que la loi est insuffisante, référez-vous à la doctrine. Ça, c'est une question doctrinaire. Le président de la République, quand il pousse quelqu'un à la formation du gouvernement, il est la personne qui lui désigne. Et il n'est pas forcément, parce que c'est dans le champ de son pouvoir discrétionnaire de le faire. Il n'a pas obligation, selon notre constitution, de pouvoir prendre une ordonnance, parce que cette ordonnance ne sera pas motivée. Parce qu'il n'y a aucune loi, donc, aucune disposition. Sans texte, on considère que M. Kabuya est à la fois informateur et formateur. Bon, non, je ne dis pas. Dans notre arsenal juridique, ça n'engage que M. Alain Foucasse. Ouais. Tout ce qui est connu, et je le sais. Le secrétaire général de mon parti, l'honorable Augustin Kabuya, avait été désigné comme informateur. Parce qu'il y a une référence constitutionnelle qui motive l'acte que le président va poser sur son ordonnance. En ne prenant il a fait son travail. En ne prenant que un des aspects exposés par Alain Foucasse. Lorsqu'il dit que le formateur, la première question qui après discussion avec le chef de l'État, et c'est qu'il va dégager en gros et comme à quel dini taille à gouvernement. Tant que Tolanda qui va communication à secrétaire général Augustin Kabuya. Bon, dans les communications, il y a Madame Judith qui est sortie publiquement pour parler de la taille du gouvernement. Madame Judith. Tout de suite, la première des questions qu'elle a fixées. C'est pourquoi j'ai dit. Excusez-moi, là-bas, c'est pour vous dire. Kabuya n'a pas parlé de ça. On ne l'a pas confié la charge et a conformé gouvernement. Donc, vous le contredisez alors. Dites-nous ça au moins. Parce que lui s'est prononcé ainsi. Et Ndeko Eliezer a relayé en gros qu'après avoir déposé les rapports en qualité de l'informateur, le chef de l'État lui a encore confié la mission du formateur. J'ai lu un communiqué signé par le directeur du cabinet du président de la République le jour il y a dépôt un rapport naïe, et dans le communiqué on lui a assigné un travail complémentaire pas qui relevant celui du formateur, lui disant un complément dans la manière dont ça devrait être fait pour l'identification de la majorité, ils ont copé ça, Mosala na moto, Ayako sala na simate, et on a mis quelques assignations à trois lignes. En dehors de ces communiqués, d'où il y a eu deux communiqués. Le premier, le nommant, et le deuxième, le jour il a remis Tangba Zongi Selye, Moussala Naye, il lit un communiqué de la présidence pour fixer na Moussalo Basenga qui est. Dans lequel communiqué, il n'a pas été parlé. Il faut identifier. Qui a menti les peuples? Yoka. Ce qui te l'a dit, il n'y a pas que ce soit mensonge. Bon, ce qui te l'a dit, explication empirique, même théorique, que développé Awa. Ça veut dire qu'il fallait qu'il identifie et tenir ça. Tu as trois phases où il y a majorité. Or, nous sommes restés tout simplement pour un quota là. Toi, on a 500 sièges. Batouboni, Baye Bangamba, Loboko, Akoto, Tokisanga, Bazaboui. Mais ma force, Yango, ils ont constitué d'abord la Soklenine. Liboso, lui, là, il fait une illustration. Je peux rentrer dans la même illustration, c'est ça. IDP, c'est Boui. INC, Boui. AFDC, Boui. Ou les restes. Maintenant, si Maya Awa, ceux qui doivent atteindre 200 quelques, puisqu'il faut dire d'abord que nous seuls, avec les mosaïques,
nous avons plus de 161, puisque IDPS seul a 80 députés, seul, sans alliés ni mosaïque, 80 députés. Et nous atteignons plus de 150, seul d'abord comme IDPS. Alors, cet aspect, il y a qu'on a créé les trois étapes, il y a identification à majorité, peut qu'on créer au cas où, il y a large. Excusez, il y a Kanani, hein, quasi majoritaire, une majorité quasi majoritaire pour qu'on ait géré. Et ça, là, en attente, en marge, on a besoin, il y a soki, ça peut basculer. Il y a des étapes que voulait et à la tracer très très bien permettra au gouvernement. Non, l'aspect là, là c'est pas correct. L'aspect amibalé. Écoute, la méthodologie veut que, avant que vous atteigniez les résultats de ces quatre types de coalitions, il faut vous agir la taille à gouvernement. C'est-à-dire que ça, vous... c'est pour le formateur. Ça, c'est pour les formateurs. Mais je ne parle pas du formateur. Je parle d'Augustin Kabouya. Je parle d'Augustin Kabouya. Lui n'a pas fait ça. Mais, Bavlor, s'il n'a pas fait, c'est parce qu'il n'est pas le formateur. Très bien. Toi, le formateur, il a menti. Le formateur, c'est pas le formateur. Le faux, le formateur. Donc, la deuxième question, avec vous, je voulais l'aborder à une première minute. Dans un zongue, l'Ali Bongo, Assemblée nationale, pourquoi, même calendrier, il y a bureau définitif, il y a élection, on a nous, et bimité, population, il y a un blocage, il y a un mais tout ce dossier, il y a Mosolo, il y a Forage, pays, il y a Lampadaire, et ça, il clame le public, ou à Bibisika, le procureur général près de la cour de cassation et bien bon qu'on s'est saisir du dossier pour la recette la banquette ce qui mon soloana et celle mon salatoté parce que mon solé bimaki ministère de la finance balobi mon salé et salémi et salémi largement mon salé et salémi kasi na selon bayo et c'est grec basala mon sala balobi mon sala et salémi au moins 27 forage ndé pesami même autant on a nous ya montant ya ko salaka bongo forage yango yango les opposer problème 297 000 $ pour na ko sala forage loko et zali ko poser problème ndé ko Alain Focas vous avez suivi le dossier lelo oyo le procureur s'est saisi on a dossier on a en quoi est-ce que le ministre to ministère de la finance ezali na problème pour yango et bimisa ki kara mon solo alors que mon projet on est bon et développement rural. Merci beaucoup madame na banza na ko bandela nanu esika yo bandela ki motuna na yo ko tuna biso mais pourquoi jusqu'à présent assemblée nationale bureau ezali nanu définitif ezali nanu te. Bon, je ne sais pas si lui peut prendre la parole pour dire que c'est la loi. C'est cette loi que nous avons qui vous empêche de pouvoir aller jusqu'au bout de la logique qu'il y a qu'on installe bilan définitif en passant par les élections. C'est la loi. Non, il faut ajouter aussi le règlement. Le règlement. Est-ce qu'il y a-t-il une disposition du règlement qui vous donne la possibilité de dire que ce qui est au bout de la boue, c'est tel article et règlement? Bon, si c'est de cette question que je me permettais, je réponds à ma question à Naomi. Moi, je ne crois pas que vous faites allusion par rapport à quel dirait, puisque depuis... Les députés sont élus depuis on a proclamé les élections, il y a eu contentieux électoral. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre à peu près un mois sans qu'il y ait installation à bureau définitif. Bien. Toi, tu as démontré que, bah, retard au nion, ça, il faut comprendre l'anglais du système Nabiso et tout ça. Mais... Il y a tout le monde, net, il y a installation, il y a nani. Il retard, il y a des allées dures. Mais c'est ça ce que je dis. Non, non. Ce que vous ne pouvez pas dire, mais, c'est mais, que... Je voudrais... Je perds ma parole parce que je croyais que tu pouvais éclairer la lanterne. Mais internet à une minute, j'ai dit développer un intro que par exemple, le fameux temps qu'ils prennent pour mettre en place un règlement intérieur. J'ai déjà tablé là-dessus. Tu as trouvé que c'était inutile, non? Je l'ai déjà dit. Mais pourquoi vous voulez perdre l'État? Pourquoi vous voulez... Alors, quand on a une majorité, on n'a pas une majorité de fantaisie pour venir se plaindre avec. Quand on a une majorité, c'est pour gouverner. Mais déjà, quand vous êtes de la majorité, vous démontrez que vous faites passer le temps pour rien. Est-ce que êtes-vous des personnalités politiques dignes de ce nom? On l'est. Comment alors vous faites passer le temps inutilement?
Ah bon? Parce que le temps, c'est l'argent. Et le temps ne vous appartient pas parce que le souverain est là. Il attend des réponses. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et vous avez postulé et vous avez donné des promesses. Vous devez les réaliser. Donc, vous êtes tout sauf cette majorité qui veut gérer la République. La première, à l'entame, je vous ai posé la question. L'autre fois, vous aviez pris l'action des 100 jours pour amener à la présidence. Et c'est le même président qui est aujourd'hui. Il a encore un directeur de cabinet. Il a encore un collège là-bas. Pourquoi vous n'avez pas pris 100 jours pour aller amener là-bas? Parce que vous voulez gérer. Parce que vous aviez l'autre fois donné des raisons que nous, on voulait gagner le temps. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus gagner le temps. C'est ça, au fait, votre problème. Gouverner la gestion de la Respublica, c'est déjà une imagination savante. Il faut appliquer la norme, les principes, les lois. Vous ne connaissez pas parfois, c'est pourquoi ça semble être un peu difficile. Connaître les élections au niveau du Parlement. Papa, maman, mais j'ai entendu ça, même là-bas, assemblée provinciale. Là où il y a combien des électeurs? 48. 48 députés qui doivent élire les membres du bureau. Qui doivent élire un gouverneur. On vous dit qu'il y a un problème d'argent. Pour faire une élection de 48 députés, vous allez, dans une république, poser un problème d'argent. Quelle est cette logistique qu'il faut pour la CENI? Quelle est cette logistique qu'il faut pour que 48 personnes, maman, 48 voix? Ça, c'est de la blague. Vous allez poser un problème d'argent dans le contexte Yaboué. Vous n'avez pas la volonté de gouverner. Vous n'avez pas la volonté de gérer la République. Ça ne se passe pas comme ça. Pour la question de la gestion, il y a finance. Les jours que Azwaki Mikro a été dans l'Assemblée nationale, il a parlé, il y a terminologie, il y a délinquance financière. Et je crois qu'il trouvait qu'il va député Bélé, puis je crois qu'il était sanctionné pour cela. Mais non, c'est un concept. Oyo, ils allaient qu'on méritait, bateau Oyo, ils allaient qu'on ça la malversation financière. Bateau Oyo, ils allaient qu'on gérer avec orthodoxité, mbongo ya l'État. Motuna na yo ezali, ministre ya finance, Moussala na yeko bimisa mbongo. Projet et outil na ministère. Ministère ya budget et zali na kati. Iye ayeka akope sa mosolo. Rappelez-vous, il y a procès à 100 jours. Bitakouira si yazala ka ministre à longba kati. Atika ka projet. Après tango bango baye, bakouti projet. Ba luki kosala ndenge bakoukai kosala. Ti e bandi kokende. Ti e kokoma, ba bandi kope sa benjonction. Les montants n'étaient pas le même. Même na Bitakura, même na Ovita la yaki kosala, débat wana, et koka ki ko éclairer lanterne, y a débat ya lelo. Les problèmes c'est quoi? Ils ont érigé un système qu'on appelle l'omerta. L'omerta c'est quoi? C'est un système mafieux qui jadis na Sicile à l'Italie gouvernait la République. C'est-à-dire qu'au sein de l'exécutif, où l'argent de l'État est géré, vous trouvez des personnalités oyo bazali na ba prérogative ya géré mosolo ya l'État, ba mi komisi copain na copine pour que ba sa la mafia ba mvoama. Et dans l'omerta, le principe est que on vole en silence. On vole en complicité. Et celui qui trahit, c'est un traître. Aujourd'hui, ministère ya finance, a koki kobimisa mosolote, soki a yebite tina ya mosolo wana. Il a les devoirs. Ce n'est pas pour rien qu'il est ministre des finances. C'est pour veiller aux finances. On ne finance pas n'importe quoi. Maman, ça la projet na yowana. Ya malamu, koti sango na ministère ya finance. Oye bisa Nicolas Kazadike, bo yo moussala na yo ezakaka, ko pesa mbongo, ce qui est bien.
Non. D'ailleurs, à l'obique, ezali projet ou ezala na outa gouvernement ilukamba ou bakuta ki. Bah finance qui a monté pour nani. C'est ça la question. Pourquoi ça n'a pas été financé? Pourquoi seulement la période naïe? C'est ça, efficience na mosolo y a l'État. Ezali ba normalement ko ya monke. Le système, c'est le système de l'omerta. Oui, aujourd'hui, il y a tollé. Aujourd'hui, il y a clameur publique. Procureur à se saisir. Mais attendez, vous allez voir. Ceux qui procurèrent à côté si notion wana ya omerta, ça sera un dossier classé sans suite. Naya bisio. Il ne faut pas s'attendre que ma sanction est courte. Mais omerta est à la rabongo. On est des copains. Et pourquoi tu vas... Pourquoi on parle de l'omerta? Vous allez identifier ces acteurs-là qui gèrent la République. Tous, ils vont être riches. Mais ils ne seront pas riches par le fait de leur salaire. Ils seront riches par le fait des détournements, de la corruption, enrichissement illicite, des favoritismes, les privilèges qu'ils ont. C'est ce qui va les enrichir. Au détriment de toute la masse que j'appelle les opprimés. Mais eux qui sont là-bas, tous ces gens-là qui coordonnent, qui dirigent, qui gouvernent, ce sont des oppresseurs. Qui est responsable dans le dossier? Mais toute la chaîne de dépenses, en commençant par celui qui conçoit les projets, très mal intentionné, il fait gagner son mauvais projet, le consentement par la corruption et la concussion, un projet pareil. Nani a yebi faut racheter. Nga yasina sali sa fourrage. Na fouta mbongo combien? 2 600 $. Na forage moko, oyo na distance, ya mai et monanaki, na distance ya 38 mètres. Il est vrai qu'on peut aller na ba distance ya 200 mètres. On peut aller na ba distance ya 150 mètres. Mais c'est question seulement de faire l'addition sur au leki na ba maison nyon sur au basale sara, ba forage. Ah, on vous dit que 1 mètre, c'est 100 dollars. Un mètre, c'est ça, 50 dollars. Le Congo est amoné. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit, ça, c'est je vous donne des cotations de ceux qui ont comme travail, comme ça, les abaforages. Bafout sera par mètre. Un mètre, c'est 100 dollars, ou bien un mètre, c'est 150 dollars, selon la distance, selon les coins et les recoins. Et ça, la rana magie, mon sous, ça l'a raté. C'est pourquoi il y a eu tollé. C'est pourquoi il y a eu clameur publique. Mbongo ya l'État, ezali mbongo ya Nicolas Kazadité, ezali mbongo ya IDPST, ezali mbongo ya Union Sacrée, ezali mbongo na ya yo na kati. Y compris ya ngai. Donc nous avons, au nom ya principe ya redevabilité, voilà le mot qui convient, qui consiste à quoi? À passer par la consultation, à la restitution, pour que oyeba que tu n'es pas, si tu es l'argenté de la République, mais Ozali Mukola Mbongwana. Merci. Ozali Kamutuba, c'est ici. Tu es obligé de passer par la consultation, la restitution et la concertation pour sortir l'argent. Il faudrait nécessairement à passer na étape wana de convoquer celui qui a conçu le projet, de convoquer celui qui a ordonnancé, d'un niveau à budget, discuter ensemble, tali avec la réalité et les coûts. Parce que les finances, c'est les chiffres. Les finances, c'est l'argent. On ne donne pas à qui on veut. Très bien, merci voilà. Beaucoup. Dernière sortie médiatique, Naé, na États-Unis d'Amérique, Biska Azouami, Ndeko Nicolas Kazadi, ministre de la Finance, à la qui copé sa bongo éclairage sur ces dossiers. Ndeko Joël Kiteng, est-ce que vous voyez quelqu'un en vouloir à l'argentier de la République? Mais il faut nous regarder, faire quelques tarétages, puis la zone là. J'apprécie bien que Ngorangaï Focas ait fait Sciences Po, tout comme son domaine dont il aime, mais prétendre celle de tenir le monopole et accueillir Sciences Po et arrogance. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit prétention, je ne dis pas qu'il l'a dit, j'ai dit prétendre. Non, je ne peux pas. Que le principe, non, mais à la boue, ce qui va éviter ou les restes, même l'antique place, à la collègue Nebaza.
Ma collègue nous a peut-être basé pe bangam beaucoup na ya ba masterai. Je sais. Sans entrer dans les détails de noms et des individus, que s'il faut gagner du temps, économiser plus la forme, il y a continuité, ou continuation, s'il faut changer les mots, il y a l'état de l'engue salima, il faut nous tout écouter, ma norme, ma biso, yetika, moi, l'état, j'ina, ma non dit. N'aoulou belandeng, y'a mi bekuna, ma non dit, ma molaï. Vous savez, pour un calendrier électoral, na bureau, kuna, l'Assemblée nationale a un monopole. Il y a eu moko ko fixer calendrier na e d'après règlement intérieur na bango. Ce n'est pas la CENI qui viendra et qui fixe. Il y a eu moko qui fixe tant que ba candidature ko zala déposer, tant que ba toana ba kobeta ba campagne na bango, tant que quoi ko le kana maponami et tout ça. Et ça nous prend énormément du temps. Entre-temps, ce qui est vrai, j'espère que la dernière fois Toyaka qui mbosso ko sa la communication, il a rassuré qu'avant la sortie du gouvernement, le bureau sera bel et bien installé. D'ailleurs, nous connaissons déjà Batou ba couleur nyons, couleur pas puisqu'il y a vote, mais Batou va se manifester déjà na ba responsabilité des parts d'autres. Je ne vais pas c'est qui moindre mal pour l'Assemblée nationale, na ba nyons va se manifester. Le moindre mal n'est pas na ba baza ko se manifester. Peut-être le moindre mal, c'est Mbosso. Ah oui, c'est Mbosso. Ouais. Les sources. J'ai dit, mais répondre à la question, non, yo lobby le mal était. Au lobby le moindre, ça veut dire tous font mal. Et ils peuvent être imaginés comme bah, mal. Non, le baralinga, la vie sur le français. Parce que au lobby, au hasard, moi mal et à mouké, mal et à mouné, nous en été. Moi mal et à mouké, la cadena à mouké. Donc, moi mal et à mouké, Mbosso. N'est dans l'obit. Bah, Mbosso, on a bah, mal et à mouné. Donc OK, comprends. Vous comprenez, mal, yo no tuni ba mal tout ça la golanda. Donc dès là ba mal, ya minene o ana ne faut éviter. Alors, soki et que bongo bon. Moi, mon problème c'est de dire ce que je pense, je ne trouverai pas l'inconvénient que de constater et de rester là puisque nous avons la majorité. Mais si au moins ma voix peut porter, eh ben ba mal ya minene wana c'est pas intéressant. Donc alors na question mususu. Focus qui est resté dans les principes, je sais le connaissance, c'est peut-être que ici moi je préfère d'abord saluer quelqu'un du travail tout en respectant dire que Nicolas Kazadi c'est un homme de caractère dire comme dans la plupart des pays bah ministre de la finance bazala ba mal aimé ya batunyo son gouvernement nyo puisque ce ne sont pas de jours bato ba libéraka facilement ba ekonoma ba zama boko mama kasi mais faut que saluer musala ande ko mususu o ya sali ke debo e koma na public ezande ko lingete ça qu'on se conveille ou pas c'est lui qui a enquêté IGF tango enquêté nda découvrir a bengi nde ko Mike Kasenga mkolo société oyo a gagné ki pour akotonga 1338 stations à forage à travers le localité nationale. Abengi ndeko Samba Patili o aganya ki dossier à baforage qu'il faut aussi noter dossier à baforage Sengobila qui a écrit pour séjour Nicolas Kazadi, je le courrier. Ah, Sengobila c'est un projet du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa oyo bakende qui a gagné 4 sociétés mukolo Raudio ya banque oya HJ Arish un autre congolais na malien wana Samba bref offre ya côté pour l'otiri qui wana nani congolais a gagné ke beka moko batumisa tubatu ya dibanda ya mboka. Je ne suis pas extrémiste ni tribaliste tout ce que vous voulez mais ça choque d'un côté de voir que beaucoup créer classe moyenne beaucoup pèse à Kanzela Tango moi tout baringa copie à Moussa Leye mais Bondimi copie ça indien copie ça libanais pour anil pour qu'on a moi et l'autre mot pour Tambola
lobi biso toko koba beba bola me oyaza ko gagner na ba bénéfice na ye ezo ko continuer ko tonga mboka na ye kuna pe ko salis. Je crois que nous devons na structure ya passation du marché ko nationaliser, je dis, nos pensées dans la procédure ya attribution ya ba marché. C'est gentil ngobila na sengi pona ba kende ko tonga à peu près 200 quelques poses ya ba lampadaire na 6 communes puisque chaque 4 entreprises a gagné qui 6 communes sur le 24. Et le monsieur à lampadaire donc question est ne va tenir l'engessa. Et vous pouvez voir la qualité à lampadaire en l'engessa. Je peux vous expliquer ce dossier rapidement en un mot. Est-ce qu'à ce moment-là moto ya zimbongo pe a bandi musala e ba debi a musala na eza komonana. Et il a posé déjà ba socle partout dans l'ensemble ya ba six communes azala qui massisi na noté. En français ba benga gango le retard ya exécution taux détournement. Ça c'est la question que moi je voudrais bien savoir. Quelqu'un qui a pris qui s'est soustrait. Non, j'ai dit la surfacturation, c'est pourquoi surfacturation ezala ka problème ya entreprise na noté. Toke ndaka kozara makanisi longo bani ndenge sengedi. Ezala kala nulikambo ya nanu te. Botu na nanu, professeur Gimikulu azalaki na développement rural, ndatika ki projet wana. Ce n'est même pas rubota. C'est un projet conçu par le professeur Gimikulu. Yaba forage. Et le projet conçu en amont, eba neko sala, 399,98 dollars par station ya forage. Premier courrier que Nicolas Kazadi les écrivit à Lobina Bango na kofuta mbongo wana te puisque je ne comprends pas la station à forage wana au boku kanisa wana eh manom ya mili qui soko fini bo foko foko le kaye bimi nto fini bo mafuta ma njoy bando bi matoka ka mayo ya mai ya libanga merabi prix de Jacob puis te ata prix de Jacob bon souteo le baka prix ya Jésus aimé hein na lobi. Si Mali Kambango Bake Bakiti s'est commis 279, entre-temps, on triple 1000 stations de forage. Et comme il a 1320 forages, et Bape Si Bango 80 millions de dollars. Ça fait 2 ans. Sur le total, il y a 15%. Il fallait qu'il Bape Si Bango ait un préfinancement pour Bake Nanko Sala. Et dans les 80 millions, il fallait qu'il Bape livrer dans une durée de 24 mois. 241 stations de forage. Après 10 ans, Basi ko percevoir 80 millions, monsieur Mike Kasenga et son équipe va proposer. Je crois qu'il y a qui dit ça qui a la légère, n'a pas donné à kuné pas à IGF, ba ke ko sala kaka 29 27. 29. Hein. Ah, c'est peu venir officiel ou ya signaki. 29 forage 10 ans après. Monsieur César. Place c'est comme biringa biringa ya keza wapi. Ndi place ozo kokakolier Nicolas Kazate kamata communiqué au directeur de cabinet na signa qui est en Guazana États-Unis. Le directeur de cabinet qui signe au nom du ministre dit que après enquête na ba service na bango azo défendre muta forage qui a si a livré 60 forages qui sont en bon état inauguré ba monaki et 20 forages est en cours d'exécution. Yemoko Mike Kasenga na kosamba na IGF a lobi 29. Ce que vous avez qui est trésorier, batinda yoka ko bimisa mbongo. Okobi ko bakisire na ba forage ya salité. Je voulais comprendre le rôle là. Za associé na société wana. L'omerta. Mais ça parce que biloko wana. Nde ba dega communicationnel oyomoto wana domaine nayo à son niveau. Le directeur de cabinet pouvait aider Nicolas Kazadi ne dire que ngai dans argentier, mosala na ngai ou à contrôler qu'à dépasser paye à sortir y a mis sur le mien l'État et ça budget à talaki et l'équipe pas naïe projet ou du coup dans le développement rural. Moi je ne fais que des questions. S'il y a problème, allez voir pas moto bah affecta ça aurait été même hein, propre du point de vue formalisme dans ligne à communication et donner un communiqué avec des détails et les détails qui est contredit par la société aux alas qui soumissionnaient pour la cotonga ba forage. Ça saute aux yeux. C'est pourquoi nous disons, nous saluons le travail de monsieur Alinguette. Sans lui, Tonga Tomo na Makambo na Polété. Il en est de même des lampadaires. Oui. Les lampadaires, c'est 13 millions. Ma première question, ça, je me la pose aussi à l'inspecteur et à IGF. 4 sociétés, et Zoua qui marchaient.
Pourquoi je ne sens que l'enquête n'est pas à Oyo et puis parti à Babalabala ou à Sassalimine de Zomonana? Et les trois autres sociétés, à M. Arish, à M. Raoudji, place Bango Bazouaki pour bâtir à Bindeza Wapi. Oyo Azouaki 13 millions. On peut prendre par exemple 13 millions multipliés par 4 ou je ne sais pas, chacun a eu un montant. Pourquoi on ne parle pas des trois autres sociétés? Pourquoi on n'enquête pas là-dessus? Qui protège qui là-bas? Et pourquoi on arrive seulement de se focaliser sur ces Maliens? Donc, qui a déjà travaillé? Mozindo Mingi, Lelo, procureur près la cour de cassation, procureur général, a se saisir du dossier. Est-ce qu'il faut oser là-bas sanctionner? Moi, j'estime. Procureur général Dengaza Boyaza n'a pouvoir à quoi enquêter. Mike Kasenga est allé s'y plier dans IGF à l'Obiba PC 3 mois à cause de sa baforage de Sobasengaki. Ce qui n'a pas si fait à 2 ans, il va faire 3 mois. Et puis 80 millions au sali 29 forages. Est-ce que de quoi là Aza différent dans Satan. Donc vous trouvez ça ce sérieux et quand moi je cogne, on me dit, ben, yo, la caille des pèses, tu es président, tu joues l'opposition. L'opposition dans l'opposition, dans le pouvoir, c'est quoi? N'attendons autosa, il faut savoir accompagner les chefs, ce n'est pas applaudir, batou oyo, mais maman, bilingam, bilingam, la gestion nae, le mal, peut-être que je viens pour insulter, mais ce n'est pas une insulte, c'est une analyse, je me pose des questions. 4 entreprises ont gagné un marché, on a un rapport d'une seule entreprise. Mais où sont les lampadaires et la société de Nyonson? C'est-à-dire Kinshasa, chaque avenir, ils ont un lampadaire. Bazouaki, Bangonyo, sont 6 communes. 6 communes, ils sont éclairés. Et les autres là, c'est cela. Soko Kosala Mosala, étalé en go, généralement, Bobengi Bangonyo, sont mines, Bazouaki, pour la Kongengisa, Kisasa, Izawapi, Bokomi Wapi. Yozouaki, pour la côté là-bas, Congolais, Maï. Et puis, quand le projet date de 2 ans, ça veut dire ces projets devait être fait avant les élections. Imaginez même l'impact et pas à peuple au baby que mon conseil libango maï y a puis au bac au fasou typhoïde et terre à malade qui n'a pas milieu urbain rural côté bazali des gens qui peuvent freiner un projet qui a même un élan à propagande puis acceptation que nous appelons la légitimité sociale peuple n'a pas réalité oyo bazar qu'on vive une action à gouvernement pour bloquer ango. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des gens pareils, voilà, je cite pour dire, il faut dans Makambo Matali peine de mort. Makambo Itali, dilapidation à Missoromia, l'état de tournement et tout ça, du point de vue des droits, tout élargir. Et comme appel, moko na etumbu ya liwa. Ce qui babandi ko baka na ekulu sou ya peine de mort, ministre, député, des gens pareils. Ça s'arrêterait. Il ne s'agit pas seulement de Kuluna ou de l'autre qui mérite, mais ces gens sont plus que Kuluna. Merci beaucoup, Malamboka. Tozo, comme à la souka, émission à Bissot. Juste quelques minutes avant de chiter mon batobazo sur la tata Mokambi Koloté. Bando qui. Ce qui est vrai, Bazon, c'est ce qui est de la salle à l'autre, tenez le bazo, le bacabi, la salle à l'autre. Batouana, kakabato. Mais les problèmes aussi. Namona Rango beaucoup plus irresponsable déjà pour un manager de dire que je suis très mal entouré. C'est-à-dire que quand tu es un manager qui réclame que tu es mal entouré, donc c'est toi le faux manager qui ne sait pas comment alors se faire bien entouré. Et hypothèse Moussousou, si par advertance tu t'es fait entourer avec des gens et après tu constates que dans leur chef il y a des insuffisances, il y a du traîtrisme, il y a de la délinquance, tu fais quoi? C'est dans les ordres que moi, Suzanne, je suis en train de me boutan, donc, à Roboma, je suis en train de me faire. Mais sans ma serre, c'est toi qui vas t'enterrer. La logique, c'est ça. Les problèmes, c'est. Mais parce qu'il a fait confiance. Mais confiance, c'est ça qu'on exclure, contrôle, t'es à ton domaine, mon co. Même yo, maman, tant que l'ambara n'a pas de l'ambara, que l'ambara pondu mi colonion. Mais Ezalina, Kolomoko te kovasi, on se permettre à Kolobakeno, bon à Robalolate parce que déjà Nzungo et Yebike ou Ezapondu, tout ça, non, tu vas toujours faire ce que tu es appelé à faire pour que Bilokoana ait bela dinima et puis au Tchabatobalia. Est-ce que c'est compliqué? C'est pourquoi je vous dis que le problème, c'est la règle, la norme et les principes et toute une doctrine pour gérer la République.
Quand vous ne faites pas ça, d'ailleurs, Ndekoboloba a sous-souté. Kabila l'a dit que je n'ai pas 15 personnes. Moi, j'ai posé la question, pourquoi il n'avait pas 15 personnes? Pourquoi? Pourquoi il devait manquer 15 personnes? Il revient encore, Félix, Mawa, Azana Batouté. Mais pourquoi Azana Batouté? Qu'est-ce qui lui empêche? Non, il a la même style. Classe politique. Alors, c'est pourquoi, alors, le problème, c'est que il n'y a pas un homme Oyoba Bengi à Providence qui a l'allure du changement, qui voit autre chose, qui peut faire autrement. C'est ça, au fait. C'est pourquoi moi j'appelle ce système, c'est un système de l'omerta, des oppresseurs. Les oppresseurs se sont organisés pour que passe à la première. Est-ce que c'est la le mot, il est fort à leur focus. Mais il est complice. Non, nous dirons qu'il serait complice. En quoi est-ce qu'il... Nous dirons qu'il serait complice. Comment? Si, et c'est les massis, maman, banda makambo ba million et bandi. Et est-ce que... Parce que Batmoura Braza ba benga inga batuninga. Est-ce que réellement les montants que vous citez là, c'est en dollars? Na dollar. C'est ça la question, hein? Parce que Awana Congo Braza, on n'a jamais entendu parler yaba détournement yaba millions ya motango wana. C'est puisque Kuna famille de Jeraka. Voilà. Là-bas, c'est Sassou compagnie descendant qui s'occupe de tout. Pas des soucis. Yango na Zolo. Et on n'ouvre pas sa bouche pour enquêter dans les couvertes de Sassou. Mais c'est ici, ça, c'est différent de chez nous. Ici, on a un régime qui vient de l'opposition, qui a dit que je viens avec les changements. Mmh. C'est ça, au fait, le paradigme. C'est ça. Mais donc, aux autres présentés, la situation, il y a continuité. Donc, il n'y a pas eu changement, mon frère. Parce que Ozo est allé, continuité à méfait, continuité à Omerta. Parce que vous aviez dit que bon, toi Kabila paix. Donc c'est-à-dire que vous, sur le plan de détournement, Bino Boye paye le cola, toi Kabila paix, bah mandaïko détourné. Donc vous êtes dans la continuité, donc il n'y a pas un changement. Bon, moi je ne parle pas d'ici. Vous savez, c'est un projet, il y a une société qui a gagné le marché. Non. Et qui sont redevables du point de vue pour les financements à l'État ou les communes. Alors, les enquêtes les détermineront davantage. Mais Alinguette et Nicolas Kazadi n'ont aucun problème. Et les rapports d'Alinguette n'accablent pas Nicolas. Il ne l'a même pas cité dans le rapport. Mais pourquoi il s'est justifié? C'est comme ça, quand il va rentrer, il trouve l'occasion. Moi, je dis, monsieur Nicolas, quand vous rentrez, il ne faut pas oublier de sélectionner Naomi. Non, lui, il a pointé déjà les journalistes pour qui vont faire la prison. Pour qu'il s'explique, je vais lui dire, monsieur Nicolas, à s'expliquer. Et quand il va rentrer aussi, il doit tenir compte, na lire et à communiquer à directeur de cabinet. Na, et c'était mal fait. Et c'était très rapidement, mais je crois qu'il fallait bien réfléchir. Mais il ne faut pas être des hommes à tout faire. Une chose est vraie, la République a reculé. Ouais, par rapport à lui. Et Azagi n'avance pas dans l'année. Tobanda, place Tobanda qui. Je vous ai dit ici, pour des raisons de gagner le temps, le président Félix avait décidé de prendre un programme du gouvernement pour amener ça à la présidence, pour gagner le temps 100 jours. N'a tout ni aux questions. Pourquoi cette fois-ci, il n'a pas osé le faire parce qu'il a toujours un directeur de cabinet. Il a dit que c'est français, mais là, il y a le Foucas. Pour 100 jours, il y a le Foucas. Ah donc parce qu'on veut créer sous bourse ba te yoka. Asali idée dans l'intention. Non. C'était quoi l'intention? Attendez, dans l'intention, le président de la République, je crois que vous le connaissez tous, puisque yo Kinoa et Pekinoa depuis des années. C'est une personne qui génie en intention, mpe ayebelo kwa kanisaka. Il ne pensait pas pour tout ça le loko boy poto ibaboy poto sala boy. Les idées qu'il en avait, c'est de créer des réalisations à impact visible tout de suite que les gens sentent. Selon quel principe? Qu'on avait, attendez. Na loi nini a Isa Kiango. Vous parlez de principe. Le principe, la doctrine nini a Isa Kiango. Na système nini a Isa Kiango. Ça, c'est ça la méthode empirique. Définition 1. Définition 2. La République est normative. Laisse-moi vous dire. Exactement. Vous parce qu'on a Kinoa. Bangualima, Bakwala Kimbongwa 100 jours. Akopé Sabango sous Libaku. Il y a Bangwali Mamisusu, Baya, Tobanda Susu, procès à 100 jours. Mais c'est ce qui change que Baïba. Mais il y a Moko Aoutaï Kolobake, tout ce qui était sur Vital, c'était des montages, acharnements et consorts.
Almagi Bongo. Mais oui, tu n'as pas suivi. T'es. Est-ce que Vital Kamerhe ne fait pas partie des erreurs du passé? Non, non, entre autres, on a une épisode de Joël. Parce que vous avez dit que nous n'allons pas reprendre les erreurs du passé. Est-ce que votre démarche n'est pas de créer des erreurs nouveaux? Avec les mêmes personnes. Non, non, ça dit que Nazo Touna. Avec les mêmes personnes. Non, non, en cherchant, en évitant de ne pas commettre les erreurs du passé. Attendez, et comprendre Nana Nounou. Moi, je le découvre. Comprends-moi d'abord. Yako Vandara, tu vois, voilà, Nanta d'accord, Naza d'accord que vous pouvez vous mettre dans la logique. La lobby. Élégance, s'il vous plaît. Élégance, s'il vous plaît. Na lobby, hein. Na lobby, hein. Bino. Dans la lobby, que... verito, kinoanyo soyebi. Na fingi. Oh là là. Na lobby, est-ce que, en évitant les erreurs du passé, est-ce que vous, votre élan, ce n'est pas de créer de nouveaux erreurs, de nouvelles. Pour éviter les erreurs du passé, que vous avez caméra nommé ambassadeur de Djibouti. C'est une façon de gérer. Ceux qui fatiguent des coachs, entraîneurs et équipes au Ali Congo, c'est bien. Il a encore d'autres joueurs dans le banc. Attention, bonjour, va bêta, à qui n'a pas blessure, na traitement, ils ont un sous-traitement après longue blessure, mais puisque c'est toujours un certain monsieur, tout ça, on imagine, mais après quand on revient d'une blessure, on n'est plus toujours le même joueur. Donc le président peut regarder ailleurs. On a encore des gens au sein de l'IDPS, en dehors de l'IDPS, aux alentours, il y a Balié, et une autre façon de voir la République, place à Koki Kokonte, ou qu'on a la empreinte naïe. Nabatata wana, je ne m'attends à rien. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Merci de Joël Kitenge, merci de Focus, Zaiki Pona Congo, To Linga Congo, Bandela Kolobeango, et ça très important, To Batila Congo, Peto Samosa Pona Congo, Moibi, et ça Hanatina, mon côté, population, ils ont souffert. Bon, Kéry Ferré. Bongo, avant ma Kéry Ferré, population, ils ont souffert déjà. Bon, Bamba, Nabino, toujours avec le même plaisir. Bon début de semaine chez vous et. Merci beaucoup. Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de combo. Dans ce cas, il y a application sans doivre au Ezali. Très facile. Au côté échanger à partir à téléphone, au côté la bande de co. Au bazar, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au bazar, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a un PSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger Mokona Lelo, Marambaro Télémanager Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.